Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler euh, de la peur de ne plus aimer sa flemme jumelle. Euh, avant ça, <laughs> si le sujet vous parle, vous plaît, euh, si ça vous a aidé, euh, si vous souhaitez parler de votre parcours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, euh, vous abonner à la chaîne. Euh, D'ailleurs, merci à tous les abonnés. Si vous souhaitez euh, connaître l'ensemble des prestations que je vous propose, n'hésitez pas à les voir en fin de vidéo. Euh, et vous aurez en même temps mes coordonnées pour me contacter. Alors, le sujet du jour, euh, comment ça se passe euh, il y a euh, une peur, une peur de plus aimer son runner. Euh, ça arrive, ça arrive de ressentir euh, cette peur. Euh, souvent, ça se passe euh, au moment de la deuxième grande séparation. Il faut savoir que euh, il y a plusieurs séparations effectivement parfois sur le parcours de flammes jumelles, mais souvent on en, est, on en dénote. Euh, deux grandes séparations et la deuxième va être plus longue que la première grande séparation euh, qui vont faire avancer énormément les jumeaux. Alors la première grande séparation sera actée par le runner euh, et la deuxième séparation euh, va être actée par le cheaser qui à ce moment-là, comme le runner, va ressentir une, un grand soulagement puisqu'il se sera libéré euh, de cette relation, en tout cas c'est ce qu'il va penser sur l'instant, euh, le runner et le chaser pour différentes raisons bien évidemment, mais euh, le chaser euh, effectivement va acter la séparation, la deuxième grande séparation, et c'est une séparation qui va durer assez longtemps, c'est normalement la dernière séparation. Euh, dans ce parcours avant euh, des retrouvailles euh, et puis euh, plus tard éventuellement une réunion si ça fait partie de votre parcours flamme jumelle dans cette vie actuelle euh, Pourquoi il y aura une grande séparation Puisque euh, le runner va à un moment donné pousser son chaser dans ses retranchements et c'est un petit peu son boulot en fait pour vraiment pousser le chaser à faire son travail sur lui à devenir pleinement indépendant et pleinement heureux sans son runner son runner suivra, euh, <laughs> va suivre par la suite. Euh, comment dire euh, Ça déclenchera un travail chez le runner, euh, qui lui, à ce moment-là, fera sa grande partie du boulot, euh, et qui devra à son tour se libérer de ses grosses blessures et faire de grandes avancées pour lui aussi euh, arriver à la vie qu'il souhaite, euh, tout simplement. Euh... Alors, une fois que le chaser a acté la grande séparation, effectivement au départ il va ressentir euh, un soulagement puisque il sera plus, euh... il va se, quelque part se libérer euh, de cette relation dont il attendait beaucoup et qui a finalement été très emprisonnante pour lui puisque souvent révélatrice. Euh... Euh, de grandes attentes, voilà, de, de, de grands espoirs euh, qui du coup bah, tombaient à l'eau. Euh, et euh, bah, cette fois-ci, c'est le chaser qui dit bon bah c'est bon, euh... ah, oui <laughs> va par là, ce que tu me proposes ça me convient pas, euh, va faire muse la balle de l'autre côté et puis euh, et puis et puis moi euh, ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Donc il va se détacher finalement de cette entre guillemets emprise parce que le runner à un moment donné a effectivement cette emprise et ça lui plaît. C'est son ego qui le fait parler, bien évidemment, c'est son ego qui le pousse à avoir ces comportements-là. Et euh, le chaser va enfin poser ses limites euh, par rapport à son runner, Il va enfin s'affirmer par rapport à son runner et va finalement, euh, au fur et à mesure du temps, se rendre compte qu'après ce revirement hein, euh, après cette affirmation eh bien il va commencer à se comporter un petit peu comme son runner c'est à dire que il peut être amené euh, à avoir euh, une attitude euh, plus fuyante justement dans certaines situations euh, et notamment avec euh, son runner si toutefois il y avait euh, euh, contact mais normalement à ce stade là il n'y en a pas <laughs> ou, ou alors euh, si parce qu'il y a, y a quand même des des duos de flammes jumelles qui sont amenés à se voir euh, régulièrement, s'il y a des enfants euh, euh, en commun, s'ils si, euh, sont sur le même lieu de travail, etc. Donc à ce moment-là, effectivement, ça va plus être le chaser qui va fuir que le runner. Euh, le chaser peut être amené aussi à ce moment-là à être en couple avec une âme sœur euh, qui va euh, avoir un comportement comme lui l'avait avec son runner, je m'explique. Euh, le chasseur, qui d'habitude dans ses relations est plutôt euh, Ah, vas-y, on va se coller, euh, je veux être en contact avec toi tout le temps, je veux des câlins, euh, de l'attention, euh, etc. etc. » ce qui pouvait justement poser problème avec cette relation avec son runner, puisque le runner se sentait étouffé par trop d'amour, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit euh, dans ses dans moments de, de blessure. Euh, et eh bien, cette fois-ci, le chaser va se dire euh, Mais pourquoi euh, cette personne, elle me le colle autant euh, Pourquoi euh, euh, <laughs> Mais moi, j'ai pas besoin de ça, ça m'étouffe, etc. Et il va finalement se retrouver à avoir un comportement de runner. C'est très, très déstabilisant. Euh, C'est très euh, compliqué pour un chaser puisqu'il ne va pas se reconnaître dans cette relation mais ça va lui permettre de comprendre finalement euh, qu'est-ce que le runner a pu ressentir. Donc c'est jamais pour rien quand ça arrive, ce genre de situation. Euh, ça va aussi lui apprendre à mettre des limites du coup, ce qui est la continuité hein, de ce travail qu'il doit faire. Et euh, effectivement, euh, le, le, le chaser qui euh, a déjà eu un premier avant-goût euh, de plénitude à un moment donné, eh bien, Va continuer à aller dans ce sens-là et va travailler à sa, sa complétude, euh, au fait bah, de faire les choses seules, euh, d'être euh, éloigné de son jumeau et euh, bah, de finir par l'accepter et être à l'aise avec cette idée et à être bien avec cette idée, euh, de ne plus être dans des attentes vis-à-vis -vis de son runner, etc. Donc il va travailler sur ces choses-là, mais aussi à trouver quelque part euh, sa voie, sa mission de vie, à y travailler, etc., etc. Ce qui du coup, ah, <laughs> ça c'est Lucky qui joue avec le fil, pardon. Dis donc Lucky, <laughs> et, et viens là. <rire> voilà, <rire> le chat a arrêté de jouer avec le fil. Euh... Donc. Tiens. J'étais en train de dire quoi J'étais en train de dire que le chaser, à un moment donné va arriver à sa complétude, va réussir à passer du temps, à se dire, bon bah en fait, euh, voilà, bon Runner fait sa vie dans son coin, moi je fais ma vie dans mon coin, et à être à l'aise avec ça et à être pleinement heureux. Euh, oui, oui, c'est tout à fait possible. <laughs> euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, euh, il peut arriver que euh, le chaser finisse par se dire mais euh, comment ça se fait que là d'un coup euh, j'en vois plus rien à mon runner mais plus rien du tout plus rien plus rien euh, comment ça se fait que euh, bah, si je pense à, au fait qu'il reviendra peut-être un jour ça me donne pas du tout envie est-ce que je l'aime encore est-ce que je l'aime plus et euh, c'est légitime de se poser cette question euh, à un certain stade du parcours. Euh, puisque ça va aussi nous permettre de savoir ce, ce dont on a envie pour nous. Et effectivement, si à ce moment-là, le runner revient, ou un peu plus tard, euh, ce sera votre César de voir un peu ce qu'il souhaite faire. Euh, souvent, il y aura de la méfiance, hein, si... si euh, si le runner revient, euh, il, ouais, le chaser va être un peu méfiant, il va se dire, mais en fait, euh, je crois ou je crois pas à cette personne. Euh, je dirais qu'à un moment donné, la vie, ce parcours nous, font, euh, nous oblige à faire le deuil déjà d'une de cette relation. Et euh, vraiment, vraiment à se détacher de ce lien. Même si euh, on ressent l'autre. Même si euh, on est conscient d'avoir une partie de l'autre en nous et qu'une partie de nous est en l'autre d'une certaine façon, même si après l'autre on n'a pas forcément conscience ou est dans le déni et ça, j'ai envie de dire ça le concerne lui euh, ou elle hein, quand on parle de reneuse, mais euh, voilà ça, ça le concerne, ça les concerne, ça nous concerne plus en fait. Euh, et effectivement euh, c'est une période très troublante puisqu'on arrive à un stade où on se dit bah, en fait euh, s'il n'est pas là, c'est pas grave, je m'en fous. C est... Il est là autrement et, euh, et ça me suffit comme ça. Euh, un peu comme euh, quelqu'un qui serait au loin et dont on a des nouvelles euh, une fois tous les 36 du mois. <laughs> ben, c'est un peu la même chose. On s'en fout pas complètement, mais euh, on vit très bien sans et, euh, et c'est tout. Ben, on en arrive là à un moment donné sur le parcours et c'est vrai qu'en tant que eux quand on a mis euh, parfois pour certains parcours qui sont longs, euh, mais aussi pour d'autres qui sont plus récents. Euh, c'est vrai qu'on a tellement espéré à un moment donné, on a tellement mis d'énergie, tellement d'amour dans ce lien qu'à un moment donné, euh, on est tellement convaincu que ça se fera et que ça se fait pas et qu'on est poussé dans nos retranchements à ce niveau- là que finalement bah, quand on arrive à ce stade là de presque je m'en fous, euh, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan qui a sauté, c'est pas possible? Et c'est très déstabilisant, mais finalement on est bien. Je, si à un moment donné vous arrivez là dans ce parcours, et forcément vous en arriverez là, euh, au bout de combien de temps, je peux pas vous dire parce que ça dépend de chacun, euh, même si les parcours récents s'accélèrent de plus en plus, euh, voilà, euh, mais ça c'est autre chose. Euh, on en arrive là effectivement, on en arrive là à un moment donné. Euh, alors pourquoi aussi Parce que le Chesar aura réussi, alors déjà d'une à travailler sur lui, à travailler sur ses blessures, et ça c'est top. Euh, ça, peut, ça lui permettra plus tard de plus être en souffrance justement sur ses blessures. Euh, mais c'est aussi quelque part qu'il aura pardonné. Alors, pardonner sur plein de choses, pas forcément que sur le parcours de flamme jumelle, mais oui aussi pardonner à son runner et peut-être se pardonner à soi aussi, parce que... Parfois, il y a certains aspects aussi euh, où on s'en veut. Euh, et, euh, et voilà pour euh, par rapport à, cette, à cet aspect. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans, ce, dans cet état d'esprit-là C'est mal, c'est bien, on ne sait pas. <laughs> J'ai envie de dire c'est bien. J'ai envie de dire profiter, profiter de ces moments où vous n'êtes pas en souffrance, profiter de ces moments où vous êtes pleinement heureux, où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour euh, combler euh, un éventuel vide ou euh, pour vous aider à cicatriser des blessures, à euh, profiter de ce moment où vous êtes pleinement heureux euh, sans l'autre euh, après avoir eu tant d'attentes justement, c'est vraiment euh, une période euh, bah, de repos quelque part hein, de, de bien-être donc euh, félic félicitez-vous soyez heureux de ça faites en profiter euh, ceux qui sont éventuellement en parcours et qui ne sont pas encore à cette étape là voilà, ça peut être l'occasion justement euh, euh, dans, ces, dans les commentaires sous la vidéo d'expliquer de, votre parcours, d'expliquer comment vous avez perçu aussi cette période là. Euh, mais je ne pense pas, honnêtement, euh, que l'amour pour son renard est complètement éteint. je pense qu'il est toujours là, mais euh, oui, un peu comme quelqu'un qui est au loin et qu'on aime et qu'on voit pas forcément, et c'est pas grave. on finit par... Euh, Vivre comme ça, et, et finalement ça nous convient, puisque à cette idée de euh, le runner reviendra peut-être bah à un moment donné, on, on est amené à faire une grimace. Bah en fait, non, je suis tellement bien, j'en ai même pas envie. C'est compliqué de se dire ça au départ quand on est de chez eux, de se dire, mais bah à un moment donné, non, je n'aurais pas envie qu'ils reviennent. Mais ici, si, pourtant, ça arrive, ça arrive, si, si, <laughs> je vous jure, que ça arrive, et on est très très bien. Euh, alors, il y a, justement, j'ai euh, posté euh, le message d'un runner à son heure sur le groupe euh, Facebook euh, que je gère. Euh, et euh, quelqu'un est intervenu en me disant euh, Je ne sais plus quel était le sens du premier commentaire, mais je lui avais dit bah, En fait, le mieux, c'est d'avancer pour vous. Le mieux, c'est vraiment d'avancer pour vous. Euh, pour euh, ne pas bloquer le lien, justement, mais ne le faites pas pour ça, faites-le pour vous, pour votre avancée, pour être bien. Et euh, cette personne me dit Bah oui, mais du coup, est-ce que c'est pas euh, sujet à récolter des foudres karmiques Parce que si euh, je travaille sur moi, si euh, je me préoccupe que de mon avancée, bah, c'est comme si j'ignorais mon renard, c'est comme si je lui tournais le dos. Alors je lui ai dit Bah non, en fait, c'est pas que vous lui tournez le dos, c'est que vous vous priorisez. C'est ce qu'on nous demande un peu sur le parcours. Alors, je ne vais pas détailler, euh, je vais juste dire qu'en gros, bah, euh, c'était pas lui tourner le dos, c'était juste avancer pour soi, et c'est un peu ce qu'on nous demande sur le parcours. Euh, quelque part, euh, voilà, c est, c est... il ne faut pas oublier qu'au départ, la relation de flamme jumelle, elle est là pour nous éveiller à certains points, et pour nous éveiller à ce qu'on doit faire sur notre travail de guérison. Donc si à un moment donné, effectivement, ça inclut... Euh, Qu'il y aura réunion dans cette vie actuelle avec votre femme jumelle, c'est bien, tant mieux pour vous, mais ça sera peut-être pas forcément le cas, et ça sera peut-être pas forcément le cas en couple. Euh, même si la majorité c'est des couples, c'est pas forcément une, euh, une condition euh, à, à ce parcours. Euh, ce parcours, il est là pour nous faire avancer, il est là pour euh, nous amener à guérir nos blessures. Donc, euh, donc voilà. Euh... et puis les foudres karmiques euh, pour en revenir à ça euh, elles se font dans un certain contexte, c'est à dire que les foudres karmiques pour qu'elles arrivent, il faut être en conscience du lien, il faut être euh, il faut se dire ben en fait le lien je m'en fous je m'en fous, euh, je, je crois pas je, je veux pas il euh, faut être en, dans une forme de défiance quelque part par rapport à ce lien alors dans le parcours de chaque runner, bien évidemment, il y aura de la défiance. Dans le parcours de chaque chaser, à un moment donné, il y en aura aussi, puisque trop souffrant. Euh, et, euh, et on sera rappelé à l'ordre. Donc oui, des foudres karmiques, on en aura, mais elles arrivent toujours dans un certain contexte. C'est pas parce qu'on se dit, bah, je vais me prioriser, je vais avancer pour moi, qu'on va avoir des foudres karmiques. Par contre, on va avoir des foudres karmiques si on se dit, bah, mon jumeau... Pff, m'en fous, <laughs> mon parcours de flamme jumelle, m'en fous euh, mon parcours de guérison j'en ai rien à secouer euh, je vais faire des trucs euh, qui, qui sont pas forcément euh, dans ce que je devrais faire euh, je, je prends la décision d'ignorer volontairement ce que je dois faire et là oui effectivement vous allez récolter des foudres karmiques il y a une vidéo sur les foudres karmiques je vais la mettrai en haut à droite euh, d'ailleurs je vais le noter pour pas oublier <coughs> Voilà, euh, donc oui, c'est pas dramatique, mais ça arrive qu'à un moment donné, sur le parcours, quand on est en complétude, et eh bien qu'on se dise oh, J'aime peut-être plus mon runner en fait. <laughs> Alors, faut surtout pas paniquer, c'est normal. Euh, vous apprendrez avec le temps que, en fait, l'amour est toujours là, mais d'une manière différente, beaucoup plus inconditionnelle qu'avant. Et qui dit inconditionnel dit effectivement sans condition. Donc, d'accepter qu'il ne reviendra peut-être jamais vers vous. D'accepter qu'il n'y aura peut-être jamais de réunion. Et malgré tout, d'être heureux sans lui. Euh, et oui, ça existe, et oui, ça arrive, et oui, on est très bien dans cette période-là. Donc profitez-en si vous êtes dans cette période. Voilà. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.